Menschen im Frieden ihrer Welt und der Heimat. Tout commence et tout s'achève à Sarajevo. La fin des grands empires et de leurs dynasties, comme l'histoire du XXe siècle européen. En 1914, ce n'est pourtant qu'une obscure bourgade balkanique, chef-lieu de cette Bosnie-Herzégovine, profondément imprégnée par plusieurs siècles de domination turque, et que l'Autriche-Hongrie vient d'annexer au terme d'un périlleux poker diplomatique. L'empereur François Joseph est venu à Sarajevo en 1910 pour ses 80 ans et il a été bien accueilli par les populations locales qui semblent préférer l'active tolérance autrichienne à l'obscure léthargie ottomane. Lui-même est reparti très satisfait de sa nouvelle province. Elle le console de toutes celles qu'il a perdues autrefois, et c'est à Habsbourg, accoutumé à régner sur les peuples les plus divers. De fait, la ville change depuis que les Austro-Hongrois sont là. Les puissantes maisons de commerce de l'Empire ont ouvert des succursales qui emploient jeunes ambitieuses et secrétaires dévoilées. Vite, vite, apprendre cette langue allemande qui a les douceurs de Vienne et possède la clé des grands marchés du Nord. Cependant, l'archiduc François Ferdinand, neveu de l'empereur et héritier du trône, s'avère nettement plus méfiant. En effet, le petit royaume voisin de Serbie revendique la Bosnie avec virulence et il compte de nombreux partisans à Sarajevo. Mais le caractère rogue de François Ferdinand l'a fait détester par la cour et ses opinions sont celles d'un homme isolé. Seuls ses proches l'aiment et le comprennent. Notamment sa femme, Sophie, une comtesse tchèque devenue duchesse de Hohenberg, qu'il a imposée après un long combat et dont il souffre qu'elle ne soit que son épouse morganatique, faute d'appartenir à une lignée royale. Et pour le cercle de famille qu'il protège, il se montre sous son vrai jour. Cet arrogant et généreux, ce coléreux et réfléchi, ce militaire et politique. Ses relations avec son oncle demeurent froides. François Joseph n'a pas vraiment pardonné le mariage. Et il s'irrite des idées abruptes de son héritier dont il soupçonne l'impatience. Or, en ce mois de juin de 1914, François Ferdinand doit se rendre à Sarajevo, alors que de jeunes terroristes s'y sont organisés en une société secrète pro-serbe. Celle-ci, la Main Noire, est commandée depuis Belgrade par l'officier Apis, dont le nom de code est « Tueur de roi ». François Ferdinand est parfaitement conscient du danger, d'autant plus que ses intentions pacifiques à l'égard des Slaves menacent la politique du pire des fanatiques. Mais il n'est pas homme à reculer devant ce genre de danger. Sophie, tout aussi lucide, a insisté pour l'accompagner. C'est une femme de volonté et d'expérience qui, sans faiblir, partage les menaces comme elle assume les humiliations. Quelques instants après leur arrivée, ils subissent un premier attentat. Le terroriste Gabrinovitch lance une machine infernale sur leur voiture, mais elle ne blesse que des membres de l'escorte. Lorsque le couple parvient à l'hôtel de ville, François Ferdinand éclate de fureur. « C'est ainsi qu'on m'accueille à coups de bombe », rugit-il avec de grands gestes, devant un auditoire terrifié. Sophie, comme toujours, reste maîtresse d'elle-même. Elle refuse obstinément de quitter son mari pour la suite de la visite. On modifie le programme et l'itinéraire, mais l'affolement des officiels reste perceptible. Les chauffeurs du cortège ne comprennent pas leurs nouvelles instructions. Ainsi, au sortir de l'hôtel de ville, alors que Gabrinovitch est arrêté,
Une fausse manœuvre bloque l'automobile où se tiennent François Ferdinand et Sophie. Et au milieu de la foule, surgit l'étudiant Gavrilo Principe, qui, à bout portant, décharge sur eux son revolver. La guerre de 1914 a-t-elle ainsi vraiment commencé par une brûlante matinée dans un coin perdu des Balkans? En tout cas, nul n'en eut conscience parmi ceux qui se saisirent de Principe et manquèrent de le lyncher, ni parmi les fidèles des Habsbourg qui brandirent des portraits de l'empereur et saccagèrent les maisons des sympathisants de la Serbie. Mais au fond, trop de pulsions morbides agitaient déjà l'Europe, et cette étincelle en valait bien d'autres. Unissant un terroriste de 19 ans et un archiduc méconnu, le mieux à même de le désarmer, pour sceller l'apocalypse de millions d'hommes. Tandis qu'à Trieste, port de l'Empire, trois enfants attendent leurs parents pour les vacances au château de Miramar, sans qu'on ose les prévenir. En fait, la mort de François Ferdinand et de Sophie arrange beaucoup de monde à la cour de Vienne. Certes, on insiste sur l'épouvante de l'assassinat, le sacrilège du régicide, le sort du vieil empereur, frappé d'une nouvelle tragédie après tous les deuils familiaux qui l'ont déjà accablé. Mais en même temps, comme François-Joseph paraît surmonter ce nouveau coup du sort sans excessive émotion, un sentiment inavoué de soulagement s'infiltre dans le deuil officiel. La mort de François Ferdinand et de Sophie, c'est l'effacement du mariage morganatique et le retour à l'ordre immuable de la succession dynastique. Et pour le prince de Montenuovo, grand chambellan qui haïssait Sophie d'une politesse glacée, c'est aussi l'occasion d'un règlement de compte définitif. Il entend expédier les funérailles de Vienne comme la formalité réservée à de Degeneur. Mais il faut faire vite. L'imagination populaire est de nouveau saisie par le spectre de la malédiction qui condamnerait tous les Habsbourg. Et c'est peut-être pour cela que rien ne se déroule comme l'avait prévu l'humiliant scénario du grand chambellan. Une foule considérable retarde le convoi funèbre le long du chemin de fer et se presse à Vienne, devant la chambre ardente. À défaut de souverains discrètement prévenus de ne pas venir, les ambassadeurs retirent une désagréable impression devant la sécheresse mesquine qui a placé le cercueil de Sophie plus bas que celui de son mari, avec son éventail et ses gants de dame d'honneur, rappel sournois de la différence de condition entre les deux époux. Et si François-Joseph lui-même paraît affecté par l'outrance d'un cérémonial qu'il a pourtant accepté, son neveu se venge par-delà la mort. Son testament refuse en effet la nécropole des Habsbourg au couvent des Capucins pour reposer auprès de Sophie dans leur château d'Arstretten. Et ainsi le couple échappe-t-il encore dans la mort à ceux qui n'avaient pu les séparer dans la vie. Cependant, une enquête bâclée met en évidence les liens de Principe et de ses complices avec la main noire, qui infeste l'entourage du roi Pierre Ier de Serbie. Le vieux souverain n'a certainement rien su de ce qui se préparait, mais plusieurs de ses proches connaissaient la possibilité d'un attentat, et certains même avaient tenté de prévenir Vienne. En fait, tout est opaque à la cour de Belgrade. Pierre Ier lui-même, qui s'est servi des terroristes en d'autres temps, les ménage pour essayer de les surveiller.
et l'officier supérieur Apis en profitent pour tramer les sinistres affaires de la main noire dans le dos et à quelques mètres d'un roi qui d'ailleurs le fera fusiller quelques années plus tard. Pour les maîtres de la caste militaire autrichienne, fervent allié de l'Allemagne, il n'est que temps de punir les Serbes. L'archiduc Frédéric assure que l'armée est prête et qu'elle réclame vengeance. Il est lui-même manipulé par deux hommes, anciennes créatures de François Ferdinand, que l'héritier du trône tenait étroitement en laisse, et qui peuvent désormais laisser libre cours à leur haine obsessionnelle de la Serbie. Le très élégant et très frivole ministre des Affaires étrangères, comte Berchtold, et le puissant et habile chef d'état-major, général Konrad von Hötzendorf. Reste à persuader le vieil empereur. François-Joseph a perdu trop de guerres dans sa jeunesse pour souhaiter en déclencher une autre dans son grand âge. Et s'il est devenu, au fil des décennies, l'incarnation même des vertus de la paix autrichienne et de la gloire de sa maison, il ne se déplace plus aussi que dans une aura de majestueuse éternité. Ainsi, pour résister aux fauteurs de guerre, il lui faudrait précisément François Ferdinand, ce neveu qu'il n'aimait pas et que de tous côtés on l'adjure de venger. Cependant, l'Europe de la fortune oublie très vite le drame de Sarajevo et s'étourdit d'un glorieux mois de juillet. À Deauville, s'il est beaucoup question de Guillaume II, l'empereur d'Allemagne, c'est moins pour s'interroger sur l'état d'esprit de cet ami intime de François Ferdinand que pour colporter l'excitante rumeur selon laquelle on l'aurait vu tout récemment incognito à Paris, chez la comtesse Grefeuil. Sous le soleil et sur les planches, entre deux baignades et jeux de ballon, on se passionne aussi pour le procès de Madame Caillot, épouse du leader radical qui a froidement assassiné le directeur du Figaro dans son bureau. La scandaleuse de l'été, en somme, qui occupe de pleines pages dans les journaux, tandis que la polémique austro-serbe est réduite à quelques entrefilets. À Venise, la dernière escale du somptueux yacht Hohenzollern de l'empereur Guillaume alimente les mêmes conversations insouciantes. Les concierges des grands hôtels rêvent à ces fabuleux pourboires, tandis que dans les palais sur la lagune, on se gausse encore de ces manières de nouveaux riches. Il n'y a rien à redouter de la situation politique. Les grandes familles de Vienne et de Budapest ont retrouvé leur palace du Lido et on a vu sur la place Saint-Marc l'élégant comte Károly, aristocrate hongrois qui affirme que tout va s'arranger, malgré son peu de sympathie pour les Habsbourg. Oui, il n'y a qu'à suivre l'exemple du roi Victor Emmanuel, qui s'est déclaré neutre en cas de conflit, pour profiter de ce bel été et respirer jour après jour le parfum des fleurs de la paix. Personne ne veut la guerre, et surtout dans ces Balkans si remuants qui viennent d'en subir deux coups sur coup. Prenez Athènes, par exemple. La capitale d'une Grèce qui vient de s'agrandir considérablement reste inconsolable de la mort du roi George Ier, assassiné par un fou alors qu'il entrait dans Salonique libérée. Ce Danois, importé chez les Hellènes, était le frère de l'ancienne reine d'Angleterre et de l'ancienne impératrice de Russie. Son fils, Constantin, a complété ce tableau flatteur en épousant la sœur de l'empereur Guillaume. Malgré la confusion des conflits locaux, on croit encore à la sécurité collective assurée par la famille des rois. Et d'ailleurs, on n'a même plus peur d'un empire ottoman qui part en morceaux et dont la réputation se dissout dans le sirop des vignettes exotiques et l'alcool du capitalisme occidental.
À force d'avoir incarné le rôle du méchant de l'Europe, le sultan turc fait aussi partie de la famille, d'autant plus que son dernier avatar est un affable vieillard qui assure en soupirant que les récents massacres de chrétiens ne sont que les derniers remugles d'une sorte de folklore à l'opposé des charmes du Bosphore. Mais pour qui voudrait ressentir avec le plus d'intensité ce que furent la douceur et l'inconscience de cette paix de 1914, il faudrait alors rejoindre en Crimée les grands domaines que possèdent les familiers de la cour des Romanov, Simeï, Saloubka, Aïtodor, Oréanda, tous honorent des visites de la famille impériale. En Crimée, le tsar, la tsarine, leurs quatre filles et l'héritier, le tsarevitch Alexis, sortent facilement de leur palais sur la mer Noire. Ils se risquent même à faire des promenades jusqu'à Yalta, où l'on surprendrait bien des gens en leur disant que la tsarine a la réputation d'être froide et le tsar, celle d'être un despote. Cette année 1914, ils sont venus au printemps, comme ils avaient coutume de le faire avant la succession d'épreuves privées et d'engagements officiels qui les ont accablés depuis de longs mois. Et ils ont décidé de rester jusqu'à l'été. Le palais de Livadia est très bien installé pour que le tsar puisse continuer à travailler. La tsarine paraît particulièrement épuisée, mais il en est toujours de même lorsqu'elle arrive de Saint-Pétersbourg et que son fils paraît si las qu'il faut le porter. Tandis que le tsar est affable comme à son habitude, manifestement heureux de retrouver avec les siens des gens et des lieux qui lui sont chers. Pour la ville de Yalta, l'arrivée de la famille impériale est toujours une fête. Rien à voir avec les foules de Saint-Pétersbourg et de Moscou que la police tient à distance. Livadia est tout proche, surplombant la mer Noire, au milieu de jardins luxuriants à la végétation méditerranéenne. Au fond, c'est une grande villa plutôt qu'un palais, conçue et décorée par la tsarine dans ce style riviera des Anglais auquel elle est attachée. La Crimée, cette maison, le fait d'avoir ceux qu'elle aime auprès d'elle, exerce toujours le même miracle sur son comportement. Ses inquiétudes s'apaisent, elle redevient souriante, recevoir ne lui coûte plus d'efforts. On passe d'ailleurs beaucoup de temps dans le patio, qui est une sorte de salon à l'air libre. Les visiteurs, invariablement compassés, au milieu de la pompe écrasante qui entoure généralement la famille impériale, y découvrent une atmosphère surprenante de chaleur familiale. Le tsar et la tsarine s'entretiennent sans protocole avec leurs hôtes, les jeunes filles sont d'une gentillesse délicieuse, et puis il y a l'enfant, cet héritier dont la rumeur colporte qu'il est atteint d'une maladie incurable que paraissent démentir son espièglerie et sa curiosité. Oui, pour qui pénètre à Livadia, ce sont là des gens simples, amicaux, très timides, qui aiment infiniment à demeurer ensemble. Le tsar est cependant un homme de grand air, et comme la tsarine ne se baigne pas, c'est sa sœur Olga Alexandrovna qui affronte avec lui les vagues de la mer Noire. Avant la promenade du soir avec ses filles. De son côté, la tsarine ne manquerait sous aucun prétexte la vente de charité qu'elle organise chaque année durant quelques jours sur le quai de Yalta. Elle y arrive de très bonne heure pour voir si tous les arrangements ont été faits comme elle l'avait prévu. Toute la famille a été mise à contribution depuis plusieurs semaines et ses filles l'accompagnent. Le tsar les rejoindra un peu plus tard avec son fils. Il est là, de dos, un peu emprunté dans cet univers plutôt féminin.
La tsarine et ses filles ont peint elles-mêmes les bibelots, cousu et brodé les châles et les coussins qu'elles vont vendre. Qui imaginerait que cette dame qui veille sans affectation au moindre détail de son petit commerce est l'impératrice toute-puissante, redoutée et critiquée de l'immense Russie? Et qui penserait que le tsar se prête au jeu pour faire l'article? Évidemment, la présence de la famille impériale assure à chaque fois le succès de la vente, destinée à l'une des innombrables œuvres de la tsarine. Mais il y a tant de monde qu'il est difficile de faire tenir l'enfant en place. Il veut aider, tout voir, monter sur la table. La tsarine laisse faire, elle aime tant cet enfant qui est un perpétuel sujet d'inquiétude qu'elle n'a aucune autorité sur lui. Et puis, à chaque fois qu'elle le voit ainsi, elle ne le dit pas, mais elle se reprend à espérer. La grande amie de la tsarine, Anna Viroubova, une grosse fille désargentée qui a eu bien des malheurs et qu'on protège parce qu'elle fait partie des meubles, s'est elle aussi dépensée sans compter. Elle vend bien mieux d'ailleurs qu'Olga, trop douce, qui n'ose pas insister, et Anastasia, trop malicieuse, qui préfère regarder les acheteurs sous le nez. Certes, les démocrates ne manqueront pas de se moquer à mots voilés dans la presse du lendemain de cette bienfaisance inutile quand on la compare à tous les maux dont souffre la Russie. Mais la tsarine et sa fidèle Viroubova vivent dans un autre monde dont la réalité leur semble évidente. Et pour elle, cette fois encore, la vente a été fatigante, gaie, bonne en somme. Cette année, cependant, il aura fallu demander au tsar d'intervenir pour que l'enfant accepte de ne pas monter sur le char aux fleurs. Il a été trop mal récemment et il risquerait de se blesser. L'enfant obéit à son père et se souvient du char aux fleurs d'il y a 2 ans, lorsqu'il allait encore si bien. Sa mère l'avait accompagné. Le marin Derevenko, qui veille sur lui à chaque instant, suivait derrière. Le char aux fleurs est une œuvre utile. On s'en sert pour présenter des cocardes dont on vend les fleurs pour venir en aide aux malades de la tuberculose. La tsarine, ensuite, l'avait laissé gérer son affaire avec ses sœurs et l'enfant s'y était appliqué avec beaucoup de gravité. Aucune morgue chez lui. Et en retour, guerre de timidité chez les moujiks qui l'approchaient. Anna Viroubova avait ensuite collé la photo dans un de ses énormes albums que les Romanov transportent partout avec eux. Ne pleure pas, petit Alexis. L'année prochaine, comme il y a 2 ans, Olga, Tatiana, Marie et Anastasia te reprendront avec elles pour le char des fleurs. Et tu pourras en profiter comme tu sais si bien le faire pour régenter ces sœurs qui t'adorent. Ne t'inquiète pas, 1915 sera comme aujourd'hui. Au fond, j'aurais dû le laisser y aller, pense le tsar en l'emmenant avec lui sur le glacier d'Aïpétri. Et au professeur Gilliard qui enseigne le français aux enfants, il murmure « Vous n'avez pas l'impression comme moi qu'il est guéri ?» Mais il est temps de faire des projets pour ses sœurs, et notamment pour les deux plus grandes, Olga et Tatiana. Si tendres sont les relations du tsar et de ses filles qu'il est absolument exclu qu'elles ne fassent pas un mariage d'amour comme leurs parents. Tatiana ayant maintes fois déclaré qu'elle ne s'éloignerait pas de sa mère, on a décidé de temporiser avec son caractère si bien trempé. En revanche, qu'en pense Olga ? L'aînée de 19 ans, à la personnalité si sentimentale et poétique. Olga n'en pense pas grand-chose, et rien encore du prince Carol de Roumanie, dont on lui assure qu'il est très beau et très intelligent. Le portrait de sa mère Marie, avec les qualités plus secrètes de son père Ferdinand. Oui, un jeune homme à la mesure de cette Roumanie nouvelle, orthodoxe, allié des Russes, arbitre des Balkans, dont le port récemment achevé de Constanza atteste l'essor et les ambitions.
La croisière d'exploration sentimentale est aussi une visite de famille. Le vieux roi Carole et sa femme, poétesse appréciée sous le nom de Carmen Silva, sont des princes d'origine allemande devenus d'une roumanité fervente, parenté plutôt vague. En revanche, Marie, la puissance derrière le trône, affublée d'un bizarre chapeau en forme d'aileron, est la cousine germaine de la tsarine et au second degré du tsar. Évidemment, sans en avoir l'air, les enfants Romanov dévorent des yeux le beau Carole. Tatiana surtout. Elle a fait un pacte avec sa sœur. Comme elle n'est pas concernée directement, elle observera tout. Ce manège n'échappe pas aux ailerons, glissant doucement entre les regards à la dérobée. Quant au premier ministre Bratiano, redingote attentive et empressée, il aimerait bien que l'affaire soit conclue aussi vite que possible. Il se méfie du prince Carole. En effet, si le jeune homme est bien tel qu'on l'a dépeint, sa forte personnalité n'est pas sans ombre. Dominateur, dissimulé, avide de plaisir, celui qui deviendra l'un des rois les plus intéressants et les plus justement critiqués de l'entre-deux-guerres, traîne déjà derrière lui toutes sortes de petits secrets que partage une escouade de jolies femmes et que l'adulation de sa mère a la faiblesse d'étouffer. Or, au déjeuner de famille, seuls les deux promis demeurent comme indifférents l'un à l'autre, étrangers à la gaieté générale. Le tsar n'éprouve pas la réticence de sa fille et il n'a que des louanges à formuler. Le vieux roi Carole a bâti un pays solide et respecté à partir d'un obscur débarras de l'Empire turc. Son héritier Ferdinand est un homme d'honneur. Quant à Carole le jeune, celui qu'on voudrait pour Olga, il est manifestement à la hauteur de l'avenir qu'on lui prépare. Ainsi, dans leur simple univers d'évidence virile, les aînés se réjouissent déjà de la réussite du projet. Cependant, Olga persiste à réserver sa réponse. Oui, Carole est effectivement très bien, mais il y a quelque chose qui fait peur dans son regard. Tandis que Marie de Roumanie a beaucoup observé le tsarevitch en songeant à l'hérédité et à ses mystères. Bientôt, Olga, cramponnée à Tatiana, exprime un refus définitif. Elle aussi veut rester près de sa famille et n'épouser qu'un russe ou personne. Carole, sa mère, leur séduction trop ondoyante la rendrait malheureuse. Les parents n'insistent pas. Or, Olga aurait sans doute été malheureuse, mais aussi sauvée du destin fatal des Romanov. Peu après, la famille impériale regagne Saint-Pétersbourg, où le tsar doit recevoir le roi de Saxe. C'est un invité sympathique, dont un rapport de force inéluctable a fait un satellite de l'empereur d'Allemagne. D'ailleurs, il ne s'en console pas et boit plus que de raison pour oublier. Le tsar lui pardonne ce travers, mais cette fois, le roi de Saxe force vraiment sur la vodka, en confiant l'air sombre qu'il se passe des choses très graves en Allemagne. Vision d'après-boire ou appel au secours devant la crise qui couve et dont on ne sait rien. La Russie vit, comme le reste de l'Europe, la splendeur d'un beau début d'été. La grande-duchesse Maria Pavlovna, cousine du tsar, organise ses habituels pique-niques champêtres, tandis que la canicule attire les baigneurs dans les canaux de la Venise du Nord. Les souvenirs de l'embrasement révolutionnaire de 1905 sont loin. L'Empire des Romanov a retrouvé la prospérité avec la paix civile. Tchekhov et Tolstoï ne sont plus là, mais la nostalgie du bonheur, la générosité et la fraternité slave demeurent inchangées. Elles animent la vie de tous les jours, où les dames aux petits chiens sourient dans des jardins lumineux, à des écoliers en uniforme, et où les petits-enfants d'Anna Karénine lisent, sans trop se cacher, les écrits interdits de Gorki. Ce sont peut-être de futurs mécontents qui feront comme les autres, silencieux, Sibérie ou exil. Vacances, les trains pour le golfe de Finlande sont bondés. Ne regardez pas les faubourgs, on y construira bientôt des cités modernes. Croisière, aucun bateau ne se compare au standard qui est celui du tsar.
la famille en fait chaque été sa résidence flottante. Le premier jour est pour Maria Féodorovna, la mère du tsar. Sur l'étoile polaire, le yacht que son fils lui a donné. C'est une petite femme qui fait très jeune. D'origine danoise, elle en a gardé une simplicité chaleureuse. Très attachée à son fils, elle s'est résignée à la prudence. Elle n'a plus d'avis politique, n'émet aucun jugement sur sa belle-fille. Pour elle, le tsar et la tsarine sont Niki et Aliki. La paix de la famille est dans cette perpétuelle enfance des diminutifs affectueux. Et cependant, lorsque Maria Féodorovna se retrouve seule avec son équipage, elle ne se montre pas toujours aussi gaie. La mère du tsar connaît l'illusion de l'été, la certitude du retour de l'hiver. C'est sur le standard que la famille impériale vit le mieux son rêve inavoué de n'être jamais séparée, en traversant sans s'arrêter un monde enfin tranquille. La tsarine s'y repose, rassurée de sentir tous les siens auprès d'elle. Si le tsar passe de longues heures dans son bureau, il n'y a pas d'audience. L'un et l'autre s'adonnent à leur loisir favori. Pour lui, c'est la lecture, pour elle, broderies ou aquarelles. Jamais l'ombre d'un nuage. L'enfant se passionne pour les manœuvres. Ses sœurs ont de petits flirts avec les officiers de l'équipage. Elles écrivent les lettres des marins quand ils ont du mal avec la nouvelle orthographe. Il y a un orchestre qui joue des mélodies pour les repas, des airs plus à la mode pour le thé dansant, où les officiers servent de cavaliers. La tsarine préfère qu'on évite le tango, cette danse nouvelle qui a plutôt mauvais genre. Mais enfin, depuis que ses filles ont déclaré qu'elles voulaient être bronzées et mettre du rouge à lèvres, elle attend que jeunesse se passe. En confiant vaguement l'espionnage à Anna Viroubova, qui aime bien trop danser pour moucharder quoi que ce soit. Ces images auront beaucoup de succès après la Révolution, au rayon turpitudes égoïstes des Romanov. Elles sont plutôt celles de leur innocence. Cependant, même le standard n'est plus tout à fait sûr, depuis qu'il a failli couler, quelques années plus tôt, sur une étrange épave que les révolutionnaires auraient placée sur son parcours. Ainsi, pour le tennis, l'efficace colonel Spiridovitch a fait aménager une île déserte où le tsar et ses filles peuvent jouer avec les officiers en toute quiétude. La tsarine s'essayait aussi au tennis autrefois, avant qu'elle ne souffre de ses angoisses et de ses malaises cardiaques que les médecins sont impuissants à conjurer. Mais au fond, ça l'arrange. Elle peut rester à observer ses filles et son mari, pour qui elle garde les yeux du premier jour. Un des traits de son caractère qui la touche le plus, c'est qu'il soit resté tellement juvénile, alors qu'elle se sent si souvent triste, déjà sur la pente de l'âge. Quelque chose qu'il tient de sa mère, son côté Danemark sans doute. C'est curieux de la part de quelqu'un qui confie à ses ministres qu'il se sent marqué par la malchance et qu'il se sait destiné au plus grand malheur qu'un homme puisse connaître. Durant les croisières, l'enfant peut aussi faire un peu de sport, à condition que le marin Derevenko ne le quitte pas d'un pouce. D'autant plus qu'en cas de malheur, le frère Raspoutine est bien trop loin pour soulager ses souffrances, dans son village en Sibérie, où il se soigne d'une blessure infligée par une mauvaise femme. Les mousses de l'équipage ont un avantage sur le tsarevitch, le droit de se baigner. Et depuis la grande frayeur qu'il a infligée un jour à Derevenko, en plongeant brusquement avec les autres enfants, il a promis de ne pas recommencer et n'en retire nulle amertume. Hémophile, il ne sait pas très bien ce que cela veut dire, si ce n'est qu'un simple bobo peut le faire mourir, et qu'aimant tellement la vie, il doit la mener dans une sorte de cloche de verre.
pour le reste, ce serait un enfant comme les autres, avec tout de même une maturité bien au-dessus de son âge, comme le dit le professeur Gilliard, qui insiste auprès de sa mère pour qu'il se prenne lui-même en charge. La tsarine ne dit pas non, mais enfin si le temps du standard pouvait durer toujours. Évidemment, les fjords de Finlande, ce n'est pas la mer Noire. L'eau y est glacée et il faut avoir une robustesse à la russe pour aimer s'y baigner. Votre père est encore dans l'eau, soupire la tsarine à ses filles en levant les yeux au ciel. Plutôt sous l'eau, où nous l'avons versée pour y répliquer ses ordonnances. Plaisir de solides moustachus ou de jolies pommadées de Saint-Pétersbourg aurait du mal à retrouver un frisson de perversité malgré la nudité générale. Mais on accourt sur la plage. C'est un câble de Berlin avec marqué « très urgent ». En 1914, le Kaiser Guillaume, troisième empereur allemand, jouit avec délectation du titre de prince de la paix, dont toutes sortes de flatteurs l'ont couronné pour le jubilé de ses 25 ans de règne. Aujourd'hui, c'est le Kaiser ami des enfants qui rend visite aux hommes pour petits nécessiteux qu'il protège généreusement de ses deniers, en compagnie de la plus fidèle de ses admiratrices, son épouse, l'impératrice Augusta Victoria, que l'on appelle Donna dans la famille des rois. C'est l'un de ses nombreux jardins secrets, où il peut jouer, comme à son habitude, le seul rôle qui l'intéresse, c'est-à-dire le premier. Mais il s'y adonne avec une réelle gentillesse. Bien qu'affublé d'un de ses uniformes favoris, genre chasseur d'ours avec bottes et poignards, les enfants ne le prennent pas pour l'ogre à la moustache en croc dont se goberge la presse française et l'appellent plutôt « uncle » en le manipulant familièrement. Si Donna avait droit à la parole, elle expliquerait peut-être que cette douceur avec les enfants relève de l'infirmité dont il souffrit lui-même tout petit. Ce bras gauche, inerte et atrophié, dont il ne peut se servir et dont il maîtrise l'inutilité et le complexe avec un art consommé. Au fait, l'aviez-vous remarqué ? Le Kaiser tient d'ailleurs beaucoup à cette image d'un bon père de famille dans la prude tradition Hohenzollern. Les fêtes du jubilé ont vu fleurir les photos d'un patriarche encore jeune, exerçant un charme incontestable sur de petites têtes blondes. Chez les Hohenzollern, on se marie à 20 ans pour éviter les tentations, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas d'autres ensuite, comme son aîné le Kronprinz le prouve abondamment. Mais bien sûr, c'est comme pour le bras gauche, Donna veille à ce qu'on ne parle pas de ce genre de choses. Les fastes du jubilé sont encore dans toutes les mémoires, même si le macabre uniforme de hussard de la mort parut nettement moins pacifique lors de l'inauguration du stade prévu pour les Jeux Olympiques de 1916. Enfin, ce fut colossal, bien dans la manière dont le Kaiser aime à se contempler, régnant à peu près sans partage sur une énorme puissance de 60 millions d'hommes dont l'empire s'étend de la frontière russe à la ligne bleue des Vosges. Donna, fervente adepte des valeurs féminines, cuisine, foyer, église, se montra elle-même très intéressée par le défilé des nouvelles jeunes filles allemandes, tout en se demandant si elles allaient bien faire leur dévotion dans ces temples dont elle avait méthodiquement recouvert toutes les cités germaniques. Car l'empire des Hohenzollern, c'est aussi le triomphe des valeurs de la Prusse, où l'armée et la religion inspirent la même discipline, et où le Kaiser, autoproclamé maréchal sous toutes les coutures, commande à un peuple d'enfants dociles et laborieux comme à une infanterie à l'exercice. Ce qui ne veut pas dire forcément la guerre. L'obsession militaire du Kaiser est d'ailleurs très curieuse. Elle s'exprime par un perpétuel carambolage d'uniformes, de décorations, de manœuvres et de parades,
où tout lui semble délicieux, à commencer par le cirage de bottes dont il flatte son orgueil démesuré. Sa maîtrise de l'équitation, arrachée tout enfant et avec une volonté remarquable à son bras infirme. Le regard fervent de Donna et de ses fils qui le prennent pour le nouveau Siegfried des temps modernes. Ici, Auguste Willem et Oscar, les autres ne doivent pas être bien loin quand tout se résume à un jeu de soldats de plomb. Elle l'enivre aussi, parce qu'elle le place au centre d'un mécanisme simple qu'il aimerait imaginer être l'efficacité de l'Allemagne, qu'il sait pourtant bien plus complexe, et où elle l'installe dans la lignée des rois conquérants prussiens, dont au fond il ne se sent pas digne. Mais c'est une drogue qui ne le rassure jamais non plus, même s'il doit forcer les doses pour qu'elle continue à opérer, en redoutant infiniment le jour où l'Allemagne entière marchera au pas pour lui réclamer une vraie guerre. Ah, si le Kaiser pouvait acquérir la gloire après laquelle il court, en endossant seulement un uniforme, comme ce serait plus simple pour lui. L'Empire allemand est un État récent, construit sur la ruine de Napoléon III, mais qui a commencé à poindre avec puis contre Napoléon Ier. Ainsi, en 1913, pour le centenaire de la bataille de Leipzig, le Kaiser s'était grisé d'une autre version superlative de son propre jubilé. Devant un aréopage de rois et de princes se pressant comme de vieux poussins sous l'aile du jeune aigle prussien, et avec la bénédiction des faucons de la grande industrie, véritable maître de ce vaste poulailler de féodalité. Mais en 1913, le Chanteclerc impérial n'a pas seulement salué l'ascension de son propre soleil. Il a aussi entonné un hymne nuptial avec les autres royautés d'Europe, en mariant sa fille Victoria Louise au jeune duc de Cumberland. Le gendre est aussi prince de Hanovre, ce vénérable et infortuné royaume que la Prusse a brutalement effacé de la carte 50 ans plus tôt comme un avertissement pour les autres. Or, un stupéfiant caprice d'amour entre rejetons de la vendetta apporte la réconciliation générale à laquelle assistent tous les proches cousins. Par leur présence, les souverains britanniques, George et Mary, récompensent ainsi le bon procédé du Kaiser, qui a replacé dans la corbeille des tourtereaux un petit morceau redécoupé du Hanovre. Tandis que le tsar Nicolas II se penche sur le berceau, où un invraisemblable confetti dynastique vagit le grand air de la paix des rois. Cependant, l'attentat de Sarajevo altère singulièrement la bienveillance du Kaiser, qui s'indigne bruyamment du sort des victimes et de leurs orphelins. Au fait, en dehors de lui, tout le monde a déjà oublié les trois enfants de François Ferdinand et de Sophie. Leurs parents les élevaient au château de Konopice en Bohême, loin de cette cour de Vienne qui souhaite qu'on ne parle plus d'eux. Or, le Kaiser les avait connus en étant plus heureux. Par un trait habile de son caractère, il s'était en effet lié d'amitié avec François Ferdinand, en déployant de grands égards pour Sophie. Et le couple avait été touché par cette sollicitude unique dans les cours royales. Mis en confiance, François Ferdinand s'était alors souvent épanché auprès du Kaiser. Et ce dernier s'était laissé gagner par un réel sentiment d'estime. Leur dernière rencontre se déroule précisément quelques jours avant le double assassinat dans les roseraies de Konopice. Ainsi, tandis que le château de Bohême s'enfonce dans la mélancolie, le Kaiser se sent investi de la mission de faire punir les régicides qui ont insulté son credo monarchique et outragé un sentiment d'affection plus intime. «
Et pendant ce temps, sans rien savoir des imprécations qui font trembler les vitrages du palais de Potsdam, l'Allemagne s'amuse. Opérette et fête foraine, aimable Gandin, charmant trottin de l'Alexanderplatz, sont allés faire un tour sur les machines à frissons des batteleurs du Brandebourg. Serrez-vous contre moi, Fräulein Gudrun. L'été passe si vite sous les cieux changeants de Berlin. Gymnastique naturiste et bain de Hambourg. Nous sommes un vieux pays, si jeune, qui a la vitalité sans limite de son Kaiser. Et tant pis pour les touristes anglaises, choqués par nos manières si libres, et tant mieux pour ceux de leurs époux qui nous retrouveront ce soir. Chope de bière et vin de Moselle, conservateur de Königsberg, centre catholique de Munich, socialiste de Stuttgart. Chantons tous ensemble notre bonheur d'être allemand, malgré tous ces peuples étrangers qui voudraient étouffer notre paix parce qu'ils jalousent nos succès. Et si, comme le roi de Saxe, vous vous méfiez de la Prusse, alors allez faire un tour du côté de Dresde, sa capitale. C'est une des plus belles villes d'Europe, et cet homme délicieux vous réconciliera avec la culture allemande. Enfin, il paraît qu'il est inquiet et tente de savoir ce que signifient toutes ces allées-venues de fonctionnaires autrichiens. Les princes d'Allemagne ont bien du mal à se faire écouter du Kaiser quand il est de méchante humeur. On les renvoie à leurs cours endormis. Prenez le roi de Bavière. Il regrette sans l'avouer de lui avoir confié l'essentiel de ses affaires. Mais comme il est trop tard, alors il se promène en ce doux mois de juillet. C'est un neveu de Louis II. C'était bien la peine de détrôner le protecteur de Wagner pour avoir maintenant Parsifal à Berlin. Bientôt, le Kaiser semble avoir retrouvé son calme. C'est le mois de sa croisière annuelle en Norvège, où, flanqué de son meilleur ami, le Tekel Esmond, il échappe à l'austère félicité conjugale avec Donna. Le chancelier Bethmann Hollweg a beaucoup insisté pour qu'il prenne ses vacances. L'agitation du Kaiser en ces temps de crise pèse à cet homme réfléchi. Trop réfléchi pour la houle qui monte de Vienne et le ressac qui lui répondra de Norvège. Le yacht du Kaiser ne ressemble pas à celui du Tsar. Alors que le Standard est un délicat poisson noir, vif et silencieux, le Hohenzollern est un énorme monstre de ferraille immaculé qui transporte un équipage de palace dans le sillage écumant d'un cuirassé. Dès qu'il est en mer, le Kaiser retrouve ses facéties coutumières, qui ne sont pas toujours d'un genre très impérial. Inconscience, réelle gaieté de sa nature capricieuse, ou manœuvre pour cacher ses intentions. Le problème avec le Kaiser est qu'il peut se montrer vraiment sympathique. Ce brave monsieur qu'il vient de prendre en bateau stop vous le confirmera bien volontiers. Appelez-moi Guillaume, votre tête me revient, je vous décore. Et ce ne sont plus qu'agacements, tapotements, plaisanteries comme si l'on était de vieux amis. Ça marche à tous les coups. Les gens les plus prévenus contre lui, qui le rencontrent pour la première fois, repartent charmés par la manière dont il s'est mis à leur portée. Pourtant, cette année, le Kaiser a de curieux moments d'absence. Les câbles de Bethmann Hollweg, sans doute, qui, emberlificotés et trop apaisants, ne permettent pas de saisir ce qui se trame entre Vienne et Berlin. Alors le Kaiser s'assombrit, réplique par des câbles enragés, surchargés d'apostrophes, où il réclame la punition des Serbes. Comment, jusqu'à quel point, c'est un homme qui n'a jamais mesuré la gravité de ses actes. Et puis, l'amusement des vacances reprend bien vite ses droits. Promenade, nature et pique-nique. L'une des particularités de ces croisières est que l'on s'y retrouve entre messieurs. Ceux qui sont invités, généralement aristocrates et pères de famille honorables, aimant les blagues un peu lestes et la musique légère,
et ceux qui forment l'équipage, jeunes et vigoureux garçons qui n'ont pas froid aux yeux. Au zénith de cette atmosphère bien masculine, le bain dans les fjords, où de pseudo-pirates, devant le Kaiser et ses amis figés comme des barbons face au frétillement de la jeunesse, font étalage de leurs prouesses athlétiques. Notre avenir est sur les mers, a proclamé le Kaiser dans l'un de ses plus fameux discours. Et les virils assauts de ces jeunes gens ne sont que la réponse que lui adressent ses fidèles matelots. Mais comme il ne saurait y avoir d'abordage sans promesse de belles captives, qui s'est honoré parmi l'assistance un peu congestionnée que certains d'entre eux soient devenus valkyries amphibies et sirènes aux larges épaules avant de rejoindre leur cabine où il y a bien du monde. Ainsi dissipe-t-on sur le Hohenzollern préoccupations présentes et vilains ragots tenaces au spectacle des tritons du Kaiser. Enfin, pourvu que le Kronprinz n'en sache rien. Car s'il est un homme que le Kaiser redoute, c'est bien son fils aîné, l'aimable et élégant Kronprinz, dont l'apparente frivolité dissimule la féroce ambition de toujours épingler les fautes de son père. Emblème des puissantes organisations ultranationalistes, le prince héritier traîne une sulfureuse réputation de noceur et d'aventurier politique. Ni son épouse, la princesse Cécilie, une demi-russe anglophile très café society, ni ses enfants qui adorent ses fantaisies ne parviennent à le retenir. Cet été, pourtant, il le passe à Sopot, tout près de la garnison de Dantzig où son père l'a éloigné, et il y joue sans remords la comédie du père attentif. Son physique de playboy, ses belles manières lui valent des succès de magazines de mode et l'admiration du monde international de l'argent facile. Mais c'est un homme dangereux qui attend le pouvoir et dont le perpétuel sourire dissimule mal un regard fuyant comme toujours aux aguets. Le Kronprinz est évidemment pour la punition des Serbes, même au prix d'une guerre généralisée. Mais comme on le tient à l'écart, il concentre son instinct de prédateur sur la chasse aux jolies femmes. Et Dieu sait s'il y en a sur les plages de la Baltique en ce mois de juillet 1914, au désespoir de son épouse abandonnée. Sa séduction, insouciante et onctueuse, fait ainsi les seuls ravages qu'on lui autorise, avant d'autres qu'il attend de son destin. Enfin, il est à Sopot, qu'il y reste et s'y amuse tout son saoul, pense le chancelier qui le déteste. Mais il paraît qu'il y a beaucoup de femmes seules à Berlin, depuis que l'on déplace discrètement des troupes vers les frontières. Pendant ce temps, sur le Hohenzollern, la fête continue. Toutefois, les autres fils du Kaiser, lui ayant réservé l'espièglerie d'une visite surprise, elle a un peu changé de genre. Dame de la meilleure société norvégienne et épouse des jeunes princes affolés par l'air vif, ont fait fuir les autres invités. Le Kaiser s'ennuie sans l'avouer. Alors il s'enfuit dans son bureau, annote furieusement les câbles si vagues de Bettmann. Ah, s'ils pouvaient arrêter avec leur satanée musique, il est impossible de réfléchir. Mais le roi Haakon de Norvège et son épouse Maud, qui est la cousine germaine du Kaiser, ont demandé à lui rendre visite. Le plus tôt sera le mieux. Haakon présente la curiosité d'avoir été élu par son peuple, qui est allé le chercher au Danemark.
Le Kaiser n'est pas chaud pour ce genre de pédigré bien trop démocratique, mais enfin la demande a été formulée de manière très pressante. Et lorsqu'à Hakon monte à bord du Hohenzollern, en lui confiant ils sont tous devenus fous entre Vienne et Berlin, il prend soudainement peur et ordonne qu'on pousse les feux pour rentrer au plus vite. À Vienne, en effet, le comte Berchtold joue des indécisions et des réflexions molles du chancelier d'Allemagne, en tirant largement sur le chèque en blanc des appels inconsidérés du Kaiser à la punition des Serbes. Et cependant, la teneur de ces conciliabules inquiétants ne filtre que lentement. Et à Bad Ischl, petit village de Basse-Autriche, dans un cadre enchanteur d'opérettes viennoises, où l'empereur François-Joseph a repris son séjour estival, la foule, bon enfant, qui attend son arrivée pour la messe, n'a aucune idée de l'écoulement régulier du sablier de la tragédie. D'ailleurs, le vieil empereur persiste à refuser d'envisager une guerre contre les Serbes. Il a retrouvé ses habitudes, sa fille Marie-Valérie, son gendre, l'archiduc François Salvator, sont venus le rejoindre avec leurs enfants, et maintenant il souhaite que le lourd manteau de silence des Habsbourg recouvre le linceul des assassinés de Sarajevo. Mais en même temps, certaines images le poursuivent. Celle de l'uniforme ensanglanté de François Ferdinand, ou le souvenir, teinté d'un remords qu'il s'avoue peu à peu, de ses relations difficiles avec son héritier défunt. Lors de l'une des dernières manifestations publiques où ils parurent ensemble, il avait été très frappé par la bonne tenue de cette armée que François Ferdinand avait si efficacement reprise en main. Et il le lui avait dit, ce qui avait manifestement fait plaisir à son héritier, peu habitué à être complimenté par lui. Certes, les deux hommes étaient de caractère opposé, l'empereur de l'Ancien Monde, ayant enfermé depuis l'adolescence tous ses rêves dans l'accomplissement du devoir, devenu au fil de l'interminable succession des jours d'un règne de plus de 60 ans, le premier bureaucrate de ses états, vivant dans une simplicité monacale, sa lente ascension vers un statut légendaire, masquant l'érosion de sa puissance. Et l'héritier, impulsif et brutal, prêt à faire se lever les orages pour imposer son idée de l'Empire. Pourquoi n'était-il pas parvenu malgré tout à se comprendre? Car enfin c'était un Habsbourg comme lui-même, désintéressé, avec la vocation de respecter l'identité de chacun de ses peuples. Ah, s'il avait pu se marier, aussi bien que l'archiduc Charles avec Zita de Bourbon-Parme. Et l'empereur refaisait cette comparaison des préjugés de sa caste, dont le jeune couple de ses nouveaux héritiers sortait toujours vainqueur. Charles hésita, tellement imprégné de toutes les grâces autrichiennes, que l'empereur avait vu se dissoudre autour de lui avec les temps nouveaux et qu'il retrouvait intact dans leurs regards et leurs sourires. Mais François-Joseph n'est pas porté non plus à des introspections trop longues. Il laisse cela à tous ces penseurs viennois qui subissent l'influence d'un certain docteur Freud dont il connaît vaguement l'existence. Et il préfère s'en retourner avec Marie-Valérie, qui est si proche de lui, alors qu'elle ressemble si peu à Sissi, sa mère. Les enfants de Marie-Valérie égayent la villa de Bad Ischl, où l'empereur joue avec eux le bonheur d'être grand-père. Mais il porte aussi une affection particulière à Elisabeth, unique enfant de son fils Rodolphe, le suicidé du scandale mal étouffé de Meyerling. Sait-il qu'elle partage déjà certaines des bizarreries de son père ?
Badisch sait aussi le plaisir de franchir la petite porte qui conduit au chalet de Catherine Schratt. Cette ancienne comédienne est depuis 30 ans l'amie de cœur du vieil homme. Elle avait été choisie en somme par Sissi elle-même. Et depuis la mort de l'impératrice, François-Joseph lui est passionnément attaché. Ainsi, la vie de l'été est-elle bien partagée entre le travail dès avant l'aube, le café, les cigares, l'agréable conversation de Catherine, les allées et venues de l'archiduc Charles, qu'il faut maintenant garder le plus souvent près de soi. Costume de Styrie pour la chasse, avec culotte de peau et petit chapeau à plumer. La stricte et subtile étiquette si formaliste, mais nimbée d'une politesse exquisement surannée, s'évanouit à la villa dans les charmes du style Biedermeier, où l'empereur s'autorise même un léger mouvement d'humeur quand sa voiture a un instant de retard, où les archiducs n'ont plus peur de ne pas lui parler à la troisième personne et où Marie-Valérie joue dans le soleil avec son éventail. Enfin, veillez sur lui, jeunes gens, s'il ne vous laisse pas trop épuiser. À 84 ans, fruit de sa discipline de vie et sans doute d'une certaine sécheresse de cœur, François-Joseph jouit d'une santé de fer qui efface, par exemple, la différence d'âge avec ses gendres. Et s'il confie à Catherine Schratt qu'il se sent parfois un peu las, ses compagnons de chasse sont plutôt à la traîne de sa stupéfiante vitalité. La chasse est une activité qu'il pratique assidûment et comme à peu près tout le monde à son époque, mais sans les pulsions de massacre du Kaiser Guillaume. Elle lui offre un moment de répit au contact d'une nature qu'il aime et où il peut mûrir ses décisions. Or, cette fois, ce sont les conséquences de l'attentat de Sarajevo qui ne quittent pas ses pensées. François-Joseph est viscéralement attaché à la paix de ses états, qui peut s'exprimer par la dévotion qui l'entoure comme par la tranquillité d'une belle matinée de chasse. En la contaminant par sa propagande, en servant de base arrière aux assassins, la Serbie menace cette paix, insulte la maison des Habsbourg et surtout brise les règles de l'ordre d'un monde immuable. Pour le vieil empereur, pénétré d'un sens de l'honneur qui remonte à d'autres temps, non seulement il faut châtier les Serbes pour punir le crime, mais les empêcher de nuire pour écarter tout danger à l'avenir, ce qui n'est pas exactement la même chose. La grande roue du Prater, cette fiancée viennoise de la tour Eiffel, continue néanmoins à tourner sur le cours d'une vie encore heureuse. La presse, à beau faire de gros titres sur les manifestations de joie indécentes en Serbie, les élégants uniformes pensent plus aux petites libellailles qu'ils emmèneront danser dans les gargotes près du Danube. Jolie Slovène, Hongroise charmeuse, Ruthène un peu farouche, il faut de toutes les belles filles pour faire ce centre du monde qui valse sur lui-même. L'archiduc François Ferdinand et son épouse sont morts depuis 3 semaines. La force de l'Empire, c'est sa faiblesse. Passé ses accès de colère, tout retombe comme avant. Voyez le comte Berchtold. Ses chevaux viennent de gagner aux courses. Hélas, s'il s'occupe toujours autant de ses plaisirs, le comte Berchtold l'écorce désormais de son frivole goût du risque. Il est assuré du soutien de l'Allemagne et le général von Hötzendorf en retire un surcroît de confiance. Notre ombre recouvrira la Serbie, comme les grands zeppelins lorsqu'ils se posent sur le sol.
Et en effet, si l'Autriche s'est rendormie, le souffle de l'Allemagne sur son sommeil, tel celui d'un amant qui voudrait à la fois veiller sur elle et la prendre, l'enfonce inexorablement dans le cauchemar des apprentis sorciers. François-Joseph pèse tous les mots de l'ultimatum à la Serbie que le comte Berchtold a mis si longtemps à préparer. Il l'essaie très dur, difficilement acceptable, mais il espère que la Serbie va céder. Si elle refuse, ce sera la guerre, et l'alliance allemande fera reculer ceux qui voudraient faire déraper cette simple opération de police. François-Joseph ne connaît que les guerres qu'il perdit autrefois. Il ne sait rien de celles des temps modernes. Cette ignorance est sa faiblesse et elle entraîne le monde à sa suite. En France, la grande manœuvre de Longchamp signe l'apogée du 14 juillet. Et si Marianne est encore bien solitaire dans l'Europe des monarchies, la République, laïque et patriote, s'enracine dans la prospérité et l'épopée coloniale. Le président Poincaré, élu depuis quelques mois, est un Lorrain, coriace, au caractère trempé au souvenir des provinces arrachées par l'Allemagne. Même s'il s'en défend courtoisement auprès des diplomates du Kaiser, à qui il a fait une visite très remarquée durant l'hiver. Il n'imagine pas que l'attentat de Sarajevo puisse entraîner une guerre. Et lors d'un service funèbre pour l'archiduc et son épouse, l'ambassadeur d'Autriche-Hongrie le conforte dans cette certitude. Or, il doit se rendre à Saint-Pétersbourg, ce qui agite beaucoup le regard d'aigle dans un crâne de piaf de l'ambassadeur russe Izvolsky, qui a de sérieux comptes personnels à régler avec les Autrichiens et souhaite un pugilat général qui le vengerait de ses griefs. La France et la Russie sont alliées depuis 20 ans. Ce mariage contre nature entre la démocratie républicaine et l'autocratie tsariste est une union solide, forgée par le souci d'encadrer la puissance en plein essor de l'Allemagne et de contenir ses ambitions. Le tsar connaît Poincaré et l'apprécie au point de déclarer qu'il aimerait l'avoir pour premier ministre. Quant au président de la République, il adopte l'attitude habituelle des Français quand il s'agit de la Russie. Contact personnel chaleureux, du concret militaire et financier, et pas un mot de politique intérieure. Tout de même, le gouvernement du tsar lui fait piètre impression. Pour la plupart, de vieux courtisans, sans talent ni consistance. Les Russes ont mis les petits plats dans les grands, escadre, palais de Peterhof, parade à Tsarskoïe-Selo. L'empire du tsar a manifestement retrouvé la santé. La famille impériale est aussi présente au grand complet, et Poincaré, déjà habitué au charme pénétrant du tsar, découvre avec curiosité cette tsarine dont on lui a dit le plus grand mal. Une belle femme, halée par sa récente croisière du Standard, très aimable, qui le présente à ses enfants comme un ami de la famille. Une rapide tournée dans les rues de la capitale s'avère moins sereine. Les usines sont en grève, la police est partout. Les ministres du tsar affirment à Poincaré que les Allemands suscitent des désordres, en sous-main, pour torpiller le succès de la visite. Réponse commode à un malaise inavouable ou écho d'une crise que le silence de Vienne et de Berlin semblait laisser s'assoupir. Le ministre des Affaires étrangères Sazonov, qui est en revanche très compétent, persiste. L'Autriche s'apprêterait à attaquer la Serbie. À vrai dire, si le tsar paraît calme, les Russes sont nerveux. Alors qu'il se rend dans le landau de la tsarine, à la grande parade de Krasnoïe-Selo, où l'armée russe s'apprête à faire étalage de son bon usage des prêts de l'épargne française, Poincaré est frappé par le climat d'exaltation générale.
le dangereux Izvolsky, l'efficace Sazonov, le tsar impénétrable, qui croire? Poincaré étouffe dans la loge d'honneur de la tsarine. C'est vrai qu'elle a le regard fixe et respire avec effort. Quant au grand-duc Nicolas, commandant en chef, il ne parle que de la nécessité d'un ordre de mobilisation immédiat si les informations de Sazonov se confirment. Quelle chaleur! C'est normal qu'elle se sente mal. Et toujours pas de nouvelles de Paris. Ils sont donc tous en vacances. L'armée russe est magnifique. Mais compte tenu des distances, il faudrait au moins un mois pour la rassembler. Et en cas de malheur, la France ne pourrait pas compter sur elle. Et si le grand-duc Nicolas avait raison? Ainsi, Poincaré ne freine pas les Russes alors qu'il a l'ascendant pour le faire. De même qu'il abandonnera plus tard le tsar et la tsarine à leur sort. Toujours au nom de l'intérêt supérieur de la République. La teneur de l'ultimatum autrichien à la Serbie parvient à Poincaré alors que résonnent encore les canonnades d'adieu de l'escadre russe, puis le refus méprisant par Vienne de la réponse pourtant conciliante de Belgrade. C'était donc ça le silence du comte Berchtold, attendre qu'il fût en mer, empêché dans ses réactions pour déclencher la machine infernale. Après avoir croisé le Hohenzollern qui rentre à toute allure, le bateau des Français devine en longeant les côtes allemandes les masses confuses et gigantesques de la flotte du Kaiser. À la lumière des projecteurs, les équipages s'activent sans connaître de repos. Des messages menaçants en parviennent, il faut s'éloigner en hâte. Et tandis que Poincaré apprend le bombardement de Belgrade, le brusque réveil de Paris, l'élan de la Russie pour venir au secours des Serbes, avec l'escadre allemande, c'est toute l'Europe qui disparaît devant lui dans la nuit. Allons, pourquoi dramatiser? Ce ne sera qu'une bonne petite guerre de plus, purgeant toutes les mauvaises tensions qui traînent depuis trop longtemps. Nous avons tous eu un si beau début d'été, tellement lumineux et tranquille. La paix reviendra très vite. On se retrouvera bientôt, comme avant, pour Noël ou dès le printemps prochain. Et les aigles des Romanov, des Hohenzollern et des Habsbourg seront encore là pour veiller sur notre vieux monde, sans misère, sans désastre et sans révolution. Entscheiden. Letzten Frieden über Feld und Berg.